Ah bah bravo! Bravo Toulouse! Moi, pendant que j'essayais de retrouver mes organes vitaux que j'avais perdus pendant la soirée de fermeture du Télégramme, qu'est-ce que j'apprends? Tom Enders, le patron d'Airbus, quittera son poste avec un parachute doré d'une valeur de 36,8 millions d'euros. 36,8 millions d'euros le parachute? Comment il s'est fait avoir le gars? Parce que je me suis renseigné, sur Decathlon, ils en vendent à 200 euros. Bon, ils sont pas dorés, ils sont bleus, mais c'est joli aussi. Ah bah dis donc, ça fait plaisir, ta chemise elle est bien repassée toi. Non mais j'ai pas eu le temps parce que je fais des recherches sur internet pour des avions. Ah bon? C'est la première fois que j'ai un avion avec des couilles, moi. Et puis qu'un fabricant d'avion ait besoin d'un parachute? Bonjour la confiance. Alors oui, bon, je suis allé voir sur Wikipédia. J'ai cherché la définition d'un parachute doré. En anglais, golden parachute. Acte sexuel qui consiste à se faire urine dessus par... Ah non, ça c'est golden shower. Qui c'est qui a pas fermé YouPorn? C'est moi? Ouais, ça doit être moi, oui. Donc, parachute doré, c'est le nom donné à une prime de départ prenant la forme d'une clause contractuelle entre un dirigeant d'une société anonyme et l'entreprise qui l'emploie. Ah bah 36,8 millions d'euros, ça fait une belle prime. Hein. J'espère qu'à son pot de départ, à Tom Enders, il y aura au moins des apéricubes et des tucs. J'adore les tucs, moi. Moi j'ai un copain qui a bossé pour Airbus pendant 8 ans en CDD renouvelable toutes les 3 semaines. Bah pour sa prime de départ, lui, il a eu un petit porte-clés d'A380 et il a le droit à garder son badge. Ah bah il était content d'apprendre cette nouvelle rapport aux 36,8 millions d'euros, hein. Il était content. Attention, hein, fi des clichés, hein. À Toulouse, tout le monde bosse pas chez Airbus, non. Il y en a qui bossent chez Thales. Non mais surtout quand on a appris que Airbus avait vendu 300 avions à la Chine. C'est bien, ça va faire plus d'emplois à Blagnac. Et plus de bouchons aussi. Ah bah plus ça roule pour Airbus, moins ça roule sur la rocade. Même la dame du GPS, elle est paumée. Chemin le plus rapide. Prenez la sortie direction Aussonne. Non, Bozelle. Non, Cornebarieux. Non, démerdez-vous. Les avions vont être assemblés directement en Chine. Ça va faire des nouvelles activités dans les écoles. Les enfants, tenez, des Legos. Voilà, amusez-vous. Non mais c'est super d'avoir Airbus à Toulouse. Ah bah s'il n'y avait pas Airbus, ce serait quoi l'activité principale à Toulouse? L'apéro? Remarque, là-dessus, il n'y aurait pas grand monde qui poserait des RTT. Allez, on se voit ASAP en conf call. C'est de l'Airbusien. Ça veut dire à lundi. Comme un avion sans air.